Yeah, it's that Zach Supo, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. Heartbreak hotel room 505. I was blinded by love and the way she lied. Not me, no way. Salut tout le monde, c'est Thibaut Glitcher, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur Black Ops 3. Pour donc une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer donc une compilation de 3 outer maps sur Black Ops 3. Donc voilà, donc pour le premier c'est sur Nuketown. Et donc ce sera un outer map pour être sur la Sky Barrière de Nuketown. Donc pour commencer ce glitch vous devrez donc avoir comme score tricks donc le couperet et le Hellstorm. Et donc ensuite je vous conseille donc d'inviter un ami ou de mettre un bot, histoire tout simplement de débloquer tous vos scores fixes. Donc voilà, une fois que vous l'avez débloqué, donc là va falloir avoir un bon timing et bien m'écouter. Donc voilà, normalement donc là vous devrez donc déployer votre couperet et faire flèche du haut pour être sur le Hellstorm. Et une fois que c'est fait, donc là vous devrez donc lancer votre couperet et faire vite flèche de droite le plus rapidement possible. Et là donc normalement si tout s'est bien passé, vous devrez donc être dans le Hellstorm. Et là vous avez plus qu'à vous tirer dessus, donc enfin vous suicider avec le Hellstorm tout simplement. Donc vous voyez, si vous savez pas comment vous suicider, bah, vous avez juste à vous viser quoi. Mais pour ceux qui savent pas où vous êtes, bah, c'est là où vous avez un carré jaune, vous voyez comme moi dans la vidéo. Et donc une fois que vous êtes suicidé, là va falloir avoir un bon timing. Donc normalement vous serez dans le couperet et au bout de 2 secondes ça vous kick du couperet. Et donc là va falloir se mettre une Semtex au pied et donc tout de suite après lancer le Hellstorm. Et donc le plus vite possible aller à gauche, donc en out of map ou à droite, c'est vous qui voyez. Mais bon, moi je préfère aller à gauche. Au bout d'un moment vous devrez donc avoir une explosion, donc c'est un peu bizarre. Et donc au bout d'un moment ça va reprendre, donc continuez d'aller à gauche. Et au bout d'un moment ça va vous kick donc du Hellstorm. Et donc une fois que ça vous a kick, vous lancez tout de suite donc le couperet donc dans le ciel. Donc et normalement peu de temps après vous serez plus dans le couperet et vous verrez donc la vision du couperet, mais vous verrez donc le ciel. Une fois donc vous voyez la même vision que moi, vous faites carré au bout de 2-3 secondes. Donc vous maintenez carré pour exploser le couperet. Et normalement si tout s'est bien passé, vous devrez donc atterrir en out of map. Donc voilà, moi ce glitch je le trouve vraiment pas mal. Donc faites gaffe aussi, il y a des fois où vous atterrissez plus haut. Et quand vous atterrissez trop haut, bah, la sky barrière vous tue, vous devrez tout recommencer. Donc voilà, ce glitch est vraiment pas mal. Donc moi pour ma part ça marche que sur Nuketown. J'ai testé sur plusieurs maps les sky barrières, donc ça on meurt tout de suite. Donc voilà, donc ça à vous de me dire sur quelle map ça marche. Et donc voilà. Donc voilà, pour le prochain glitch, ce sera un glitch sur la map Stronghold. Et donc c'est un glitch avec, donc c'est un glitch super simple à réaliser. Donc c'est avec un colis stratégique. Donc vraiment c'est vraiment un glitch super simple à réaliser. Donc pour commencer vous devrez donc mettre dans vos score tricks donc le colis stratégique et par la suite le débloquer donc en partie. Donc ce glitch est complètement réalisable en partie multi, mais il ne sert complètement à rien, je vous le dis direct. Pourrait tuer personne. Donc voilà, vous devrez vous rendre au même endroit que moi sur la carte et donc ensuite déployer votre colis stratégique et le mettre au même endroit que moi.
Et donc une fois que c'est fait, normalement, votre colis stratégique, quand il va arriver, il va tomber sur le rebord et il va donc se casser la gueule et arriver en bas. Et ensuite là, il va falloir gérer votre jetpack petit à petit pour pas trop arriver vite, pour ne pas mourir. Et voilà, là vous êtes sur le spot, qui est vraiment un glitch super simple à réaliser. Donc voilà, il est super simple à réaliser, mais il ne sert complètement rien en multijoueur. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Donc voilà, donc le prochain glitch qui se trouvera donc sur Hunted, donc sur la map Hunted. Donc voilà, ce glitch, il est vraiment donc super simple à réaliser encore une fois. Et c'est aussi avec donc les colis stratégiques. Donc voilà, c'est encore un glitch super simple à réaliser. Et donc c'est encore le même, vous devrez donc avoir dans votre Cortex donc le colis stratégique. Et par la suite, vous devrez donc le débloquer. Il est complètement réalisable en partie multijoueur, mais il ne sert complètement à rien. Donc si je vous présente ces spots, c'est pas pour foutre la merde, c'est juste pour vous faire plaisir et découvrir un peu les spots. Donc ce glitch, je le trouve vraiment aussi pas mal. Je trouve qu'il est assez simple à réaliser. Donc voilà, vous devrez donc vous rendre au même endroit que moi sur la vidéo. Et donc voilà, donc c'est Hunted. Et donc vous devrez donc lancer votre colis stratégique et le mettre sur le rebord de la pierre. Et normalement, déjà si tout s'est bien passé, vous devrez donc le petit point bleu qui clignote, enfin voilà, qui scintille un peu, devra être un peu dans les airs. Et donc quand votre colis stratégique arrivera, il va encore se casser la gueule et arriver tout en bas. Donc là, c'est un petit peu plus dur à réaliser que celui d'avant, car c'est deux fois plus haut, il va falloir bien gérer votre jetpack pour pas aller à côté. Mais sinon, il est vraiment super simple à réaliser. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. Et donc je fais une petite dédicace à Thibaut Parcours, donc voilà, tu te comprendras peut-être, mais bref. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos de glitch. Et moi, je vous dis ciao ciao.